Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélie Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, qui dit début de vidéo, votre météo du jour. Personnellement, ça va un peu mieux que hier, même si le temps n'est pas adéquat. Simplement parce qu'aujourd'hui, je vois ma meilleure amie et je pense que ça va me donner mes blindés d'énergie pour continuer à... Donc oui, je me sens un peu mieux. Donc on va dire que ma météo du jour, ben un petit rayon de soleil. Voilà, ce serait bien qu'il apparaît là aujourd'hui parce que le ciel est bien gris et il va de nouveau pleuvoir. Mais bon, on est en automne. C'est vrai que les températures actuellement, parfois on a 20 degrés en automne. C'est assez bizarre. Alors, comme vous le savez, le girls group coréen ITZY nous revient tout simplement avec un nouveau single, mais leur premier single en anglais. Bah oui, il faut ouvrir aussi le marché américain, hein. No comment, c'est pas que ça me dérange, mais je trouve que ITZY travaille énormément comme beaucoup de groupes de l'agence JYP Entertainment, notamment Twice et Stray Kids. Voilà, faut pas oublier qu'ils ont quand même fait comeback coréen, puis comme ils ont enchaîné directement avec leur comeback japonais, et maintenant ils enchaînent carrément avec un single anglais. Tant mieux pour les fans, mais j'espère de tout cœur que les membres sont pas mais à sèche. Peut-être que ben, je me vois la face, n'est-ce pas? Et j'ai vu un teaser où tu voyais les 5 membres en ange et on dirait qu'ils faisaient une sorte de fête un petit peu typique américain, comme quand tu es dans des campus et tout ça, mais sur le thème Halloween. Je me rapprochais donc pour l'occasion et j'ai fait un make-up Halloween et j'ai essayé de faire, bon je vais enlever mes lunettes, j'ai essayé de faire une toile d'araignée. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez ou pas. C'est la première fois que j'essaye ça, je suis pas si douée que ça en make-up, même si j'ai beaucoup de commentaires qui disent waouh et tout, mais pour moi je suis une débutante encore, hein, même si je trouve que je me démerde bien. Et pour l'occasion aussi, pourquoi j'ai fait un make-up Halloween et que je suis habillée un peu en mode dark Halloween, vieux vampire des années 30, parce que tout simplement ma meilleure amie vient aujourd'hui et que je vais filmer ma vidéo d'Halloween. Comme vous le savez, je mettrai ici le lien. J'avais sorti tout simplement une petite vidéo pour vous expliquer ce que j'aimerais faire pour le 31 Halloween. Comme vous savez, c'est ma fête préférée de l'année. Je vous ai demandé de me raconter vos histoires un peu paranormales ou hors du commun. Je n'ai pas tant d'histoires que ça. C'est vrai que la globalité de ma communauté est plus étrangère que française. Mais si vous voulez franchement encore me parler de vos histoires paranormales, évidemment si vous le voulez, parce que peut-être que vous n'avez pas trop parlé de ça, n'hésitez pas à le mettre sous cette vidéo et j'en parlerai mais avec plaisir et vous donnerai mon avis par rapport à cette histoire ou si j'ai vécu le même genre d'expérience. Bon, arrêtons nos moutons, c'est parti, vous connaissez la chanson. Oui. J'ai quand même hâte. Bon, vous allez entendre Pikachu s'exprimer. Il est 9h11 quand je filme cette vidéo. Et ben, le matin, il fait la castafiore. Et j'ai envie de vous dire, on va le laisser faire. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave, il est déjà en cage, il n'est pas en liberté. Hein. Il faut le laisser s'exprimer. Bon, c'est pas mon oiseau, c'est celui de mon copain, parce qu'il adore les canaris. Mais on a changé de place et il s'exprime blindé en ce moment. Je suis trop contente qu'on réentende chanter parce qu'on a l'impression qu'il était déprimé, le pauvre petit coco. Bon, vous connaissez la chanson, je me répète, mais c'est pas grave. On est dans l'axe, on va appuyer sur le champignon et let's go, mes chers Mélie Mélo. Oui. Oh, ça a l'air d'être quelque chose très rétro-vintage, ça fait très américanisé, hein, je trouve pour le moment. Ok, ben ça fait un peu en mode Roméo Juliette. Je sais pas si vous connaissez le film Roméo Juliette avec Orlando DiCaprio à travers l'aquarium et tout. Elle, je suppose que c'est la Juliette et lui, ben c'est le Roméo et ils sont tous jalouses quoi. Oh. Leurs tenues sont sympas. Je touche tes petites plumes. Ce qui est bien, c'est qu'il y a blindé de sous-titres en vampire. La fin. On voit qu'ils sont à l'aise avec l'anglais. Aïe.
je trouve. Ok. J'aurais voulu plus dans le trip Toulon Halloween, tu vois. Mais ça reste la patte de Itchy, je veux dire, ce genre de décor et puis ce collage là à l'américaine. Hein, Ok, en mode guerre. Je vais vous tuer tous. Ouh. Suivant. Eh, c'est vraiment la petite diablesse là, tu vois. Oh, j'aime beaucoup les paillettes utilisées. Ya, ça se tire dans les pattes là. On a un bon petit son pop rétro des années 80-90 là, tu vois. Même bien. Mais pourquoi elle l'a choisi lui? Oh, cette partie chouette. J'aime beaucoup les squelettes là, les mains qu'on voit derrière. Du Céline, hein, évidemment. Allez, va-t'en. Ils partent tous, pourquoi? Pourquoi ils fuient quoi? Oh, la high note, génial. Ok, en fait, il fouille la fête pour aller à la fête des filles, quoi. J'aime bien, tu peux les avoir, mais sache que tu n'as pas le choix, peu importe ce que tu fais. Cette fameuse couronne, encore une fois. Oh. Ok, pas mal du tout, hein. Alors, la chanson est un vrai coup de cœur, que ce soit la parole, le dynamisme, le tempo, etc. On a un bon son bien américanisé, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'on a vraiment utilisé le concept Lolita malgré moi. Je sais pas si vous connaissez ce fameux film Lolita malgré moi avec Lindsay Lohan, c'est un de mes films préférés d'ado. Moi j'adore, je vous mettrai l'affiche ici pendant que je parle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a vraiment ce côté en mode en mode Halloween, évidemment, parce qu'on est dans le mois d'Halloween, etc. Mais il y a ce côté fête de campus, très américain. Cette guéguerre entre les gens peu connus et connus, tu vois, qui vont à une fête, ça fait bam bam, on s'amuse et tout. Et puis hop, on voit à la fin tout simplement qu'ils rejoignent la fête des filles, tout simplement. Mais ça m'a fait penser tout simplement aussi à entre amis, une guéguerre pour avoir le beau mec du lycée ou du campus. Ça m'a fait penser aussi à un sort de concept à la Roméo Juliette. Je sais pas si vous connaissez le film Roméo Juliette, mais avec Leonardo DiCaprio, avec cette fameuse scène, cet aquarium où Leonardo DiCaprio est en mode chevalier et notre chère Juliette est tout simplement en ange avec ses ailes et tout. Je pense littéralement qu'on a mixé en fait ces deux concepts pour faire cette MV. Moi personnellement, j'aime beaucoup ces deux films à part entière, donc j'aime bien retrouver quelques éléments. Ça a déjà été utilisé pour d'autres MV de la JYP Entertainment, notamment avec Twice, etc. Donc oui, ça ne me dérange pas, mais j'aurais voulu plus en mode Halloween. Tu vois, là c'était vraiment en mode, mais waouh,
film américanisé, t'as l'impression de voir des meufs qui se battent, qui se déchirent, limite qui veulent tuer pour conquérir ce fameux jeune homme parce que c'est la cible à cibler. C'était assez marrant parce que t'avais vraiment ce côté humoristique aussi à la fois, ça a été bien tourné, mais oui, un peu plus d'Halloween, ça m'aurait un peu plus plu. T'avais des parties de chorégraphie où t'avais vraiment tous des buildings, mais vraiment... comme si c'était un vieux film là où tu prenais des plans pour que ce soit un peu réaliste et tout. C'est un peu kitsch, mais ça reste dans la thématique de ce côté un peu rétro de la chanson et du MV. Donc personnellement, ça me dérange pas. Et ouais, j'aime le fait qu'ils s'attaquent tous en mode... Enfin, non, non, non. On était quand même complètement dans le thème Halloween. Hein. Bon, on va pas trop exagérer. Franchement, Charon, désolé, je prononce très mal son nom. C'est la membre que je préfère dans Itchy, même si j'aime les 5 membres. Mais j'ai adoré sa high note à la fin. J'étais là en mode, what the fuck, elle arrive à faire ça, cette petite? J'étais là en mode, non, franchement, ils nous reviennent avec un très très bon single, leur premier, il me semble, anglais. Maintenant, j'espère que la JYP va enfin les laisser un peu se reposer jusqu'à la fin de cette année et qu'ils nous sortent pas encore autre chose et qu'ils laissent Stray Kids aussi tranquille, qu'ils laissent Twice tranquille. Je pense qu'ils ont assez avec, je pense qu'ils vont débuter peut-être des tournées ou quoi que ce soit, mais laissez-les se reposer, bordel de merde. C'est comme la hype, hein. Il y a un des membres des Hanhypen qui est complètement... mais et c'est épuisé à l'aéroport. Bon, peut-être que c'est juste un épuisement ou peut-être autre chose, on sait pas non plus, mais moi je pense que tout simplement c'est un épuisement. Son corps il dit merde littéralement. Et effectivement, quand tu vois qu'ils font plein de trucs pour leur combat japonais, ils ont enchaîné avec leur combat coréen aussi, leur combat japonais va sortir sous un peu puis leur tournée, puis ils partent à New York, ils reviennent en Corée, enfin merde, merde les agents, je pense que vous comprenez pas que c'est des jeunes gens, ils ont le droit, comme tout le monde, de se reposer, même s'ils sont fort connus. Oui, j'avais envie de faire cet aparté-là, et je vais peut-être le faire souvent dans beaucoup de vidéos, mais en fait, ça me pompe les mirettes, mais littéralement. Alors, bon, arrêtons de parler là, et parlons de Itchy. Leur single est sorti déjà sur les plateformes. Alors, il n'y a pas la version instrumentale, on a juste ce titre-là. Je pense que je vais l'écouter beaucoup de fois parce que ça me fait penser trop les chansons que j'écoutais, mais dans ma jeunesse. Je suis pas si vieille, mais bon, j'ai quand même 30 ans, les gars. Alors, au niveau donc de la jaquette, j'aime le fait qu'on utilise vraiment les codes couleurs d'Halloween. Donc, ce orange, ce mauve. J'aime le fait que Itchy et le titre du single, c'est vraiment en mode, mais comme une affiche, en fait, publicitaire, comme une pub. Franchement, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment très Halloween, hein. Tu vois vraiment cette fameuse maison, puis le Itchy, tu vois tous des fantômes, tous des petits monstres et tout qui fait... Bon, on est carrément dans le thème. Moi, j'ai envie de vous dire, mais il n'y a rien à dire. Hein. La YG nous a encore fait de... La JYP nous a encore fait un bon truc, mais... Je reste sur ce que je dis, laissez-les se reposer, putain de merde, bordel. Et vous, mes chers Méliméo, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de leur single anglais qui est spécialement conçu pour l'Halloween? Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas été plus me renseigner. Qu'est-ce que vous pensez aussi pour par rapport au MV, si je suis dans le bon, les références du film Roméo et Juliette et Lolita malgré moi? Moi, je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like et à vous abonner à ma chaîne. C'est mon contenu et ma personne, vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.